L'Institut d'administration publique du Québec présente les finalistes du prix Rayonnement international. Finaliste, Lobbyisme Québec. Réalisation, poursuivre le développement d'une culture de transparence et d'intégrité des activités de lobbyisme au Québec. L'objectif principal de notre projet était d'obtenir les recommandations de l'OCDE concernant la réforme de l'encadrement du lobbyisme au Québec. Nous souhaitions également que ces recommandations soient pleinement adaptées à la situation sociale, politique et économique de l'État québécois. À la suite des analyses effectuées, le rapport de l'OCDE a été dévoilé en mars 2022. Le rapport appuie, solidifie et améliore nos recommandations et offre aux législateurs québécois tous les outils pour renforcer la transparence et le sain exercice des activités de lobbyisme au Québec. Nous avons vraiment innové avec ce projet puisque c'était la première fois que la recommandation de l'OCDE sur l'encadrement du lobbyisme était appliquée au niveau d'une juridiction qui, elle, fait partie d'un pays membre de l'OCDE. Donc, les approches réalisées auprès de l'OCDE et la collaboration que nous avons établie avec cette organisation ont vraiment permis de paver la voie vers une adaptation de l'encadrement du lobbyisme aux réalités régionales et, ultimement, mener à de meilleures politiques publiques. Notre projet pourra certainement inspirer d'autres institutions publiques, car nous croyons fortement que c'est en se comparant aux meilleurs que le Québec maintiendra son leadership. Finaliste. Ministère de la Santé et des Services sociaux. Réalisation, l'influence du Québec sur les politiques de santé publique américaines en matière de lutte contre les opioïdes. Les morts par surdose sont considérées comme des morts évitables. À cet égard-là, l'approche que Québec a adoptée puis qu'on a exportée dans le cadre du projet actuel a permis, je pense, à nos voisins de considérer un angle complètement nouveau par rapport à leurs approches habituelles. Ce ne sont pas des gens qui sont des criminels. Pour nous, ce sont des gens qui sont malades, qui ont besoin d'aide, qui ont surtout besoin d'avoir une porte d'entrée vers un système de santé qui est plus égalitaire. L'objectif était de les accompagner à déployer une stratégie qui allait permettre évidemment de sauver des vies, une stratégie qui allait apporter une approche innovante en matière de réduction des méfaits. On a réussi à leur démontrer que notre projet était tellement innovant et avec des résultats probants qu'il y a certaines mesures qui pouvaient être appliquées à leur cas. Et dans ce cas-ci, on a obtenu une écoute sans précédent. C'était une première. On peut à quelque part dire que c'est un premier projet pilote. Et par la suite, ça a créé énormément d'intérêt. C'est un petit milieu, le milieu de santé publique aux États-Unis. Les gens se connaissent beaucoup. Les gens du Nord-Est ont beaucoup d'affinités aussi pour être innovants. Donc, ça a fait des petits. Et il y a plusieurs autres États qui nous ont contactés par la suite pour être en mesure de pouvoir avoir des missions comme celles qu'on a organisées et de pouvoir rencontrer les gens du ministère de la Santé.